Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus qui commence avec un important retard. On va essayer de faire avec le temps qui nous reste. C'est pourquoi nous allons partir très rapidement. Presse Plus aujourd'hui à la une. À la une, donc, deux sujets, deux thèmes. Le premier, situation au Niger. CEDEAO, la reculade. Situation Niger, CEDEAO, la reculade. Et le deuxième sous-thème, c'est Niger, quelle priorité pour le nouveau gouvernement? Niger, quelle priorité pour le nouveau gouvernement? Pour en discuter autour de la table, nos invités consultants habituels sur ma droite, à gauche de votre écran, Dr Amadou Bounti Diallo, enseignant-chercheur. À la retraite. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. À côté de vous, il y a Ousseini Issa, qui est journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Et en face, il y a Maître Lirouane Abdraman, avocat et acteur de la société civile également. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Alors, premier thème que nous allons développer aujourd'hui. Situation au Niger, CEDEAO, la reculade. Vous vous souvenez que le 10 août dernier, la CEDEAO, la conférence des chefs d'État, en tout cas de la CEDEAO, a tenu son deuxième sommet extraordinaire sur la situation au Niger. Et au cours de à la fin, au terme de ce sommet, des conclusions ont été rendues publiques par certains chefs d'État et la commission de la CEDEAO elle-même. Je propose de suivre les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le cas du Niger avec notre camarade de la rédaction, Balima Brema. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Niger s'est achevé à Abuja, au Nigeria. Une seule décision retient l'esprit et semble être nouveau dans les mesures prises dernièrement contre l'État du Niger. Il s'agit de l'activation et l'autorisation accordée par la CEDEAO pour le déploiement de la force en attente de l'organisation sans en apporter les précisions sur sa composition et le cadre légal du déploiement de cette dernière, dit-il. Pour la restauration de l'ordre constitutionnel et le rétablissement de Bazoum Mohamed dans ses fonctions. En maintenant les sanctions qui sont prises le 30 juillet dernier contre le Niger, notamment la fermeture des frontières et le gel des avoirs des responsables du coup d'État, la CEDEAO a demandé ce jeudi à l'Union africaine et l'ONU de valider son approche. Toutefois, la CEDEAO maintient sur la table l'option pour une résolution pacifique de la crise politique au Niger. Ce deuxième sommet de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Niger s'est tenu quelques heures après la nomination en Niamey d'un gouvernement avec comme premier ministre Mohamed Lamine Senghor. Ousseini Issa, ce qu'on peut dire, c'est que la CEDEAO est dans l'impasse. N'est-ce pas? La CEDEAO ne pouvait pas ne pas se retrouver dans l'impasse à cause de l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis du pays, de l'annonce du coup d'État. Ils se sont réunis pour prendre des mesures sévères, drastiques contre les populations nigériennes, parce qu'ils n'ont même pas visé les militaires qui ont fait le coup, ils ont visé toute la population nigérienne, avec des mesures drastiques dont nous ressentons aujourd'hui les effets. Et ces menaces ou ces sanctions sont assorties d'une menace d'attaque armée contre notre pays pour rétablir, comme ils disent, l'ordre constitutionnel, là, rétablir Bazoum dans ses fonctions. Moi, je dis, ils sont malades. Ils sont malades parce qu'ils perdent de vue que, avec tout ce qu'on est en train de voir, les manifestations de soutien à l'endroit de la junte, de la population et tout, le rejet de cette option par, comme avait dit, des pays qui sont limitrophes au Niger, et le soutien de certains de ces pays, notamment le Burkina Faso, le Mali, mais également la Guinée qui est un peu loin de nous, mais l'Algérie qui fait veto, et également le Tchad qui dit que non. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont se comporter en Rambo. Parce que c'est ça qu'il faut se demander. Et quand ils parlent de force en attente, la force en attente là se trouve où? Depuis quand la CEDEAO a disposé d'une force en attente? C'est des histoires, c'est du bluff.
C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de demander au pays des contributions en termes d'hommes. N'est-ce pas? Qu'il faut, va falloir regrouper, il va falloir mobiliser les ressources nécessaires pour qu'ils puissent mener cette intervention efficacement. J'ai entendu au tout début, après la réunion comment dire, des chefs d'état-major des pays qui étaient près les pays boutefeux, notamment le chef d'état-major du Nigeria, à dire que eux, ils sont prêts, ils vont avoir Nasser. Mais le Niger n'est pas un champ en vierge, et comment dirais-je, un terrain où on peut venir faire une randonnée. Sur le plan militaire, ce n'est pas possible. Du reste, tous ces pays-là, ils connaissent les soldats nigériens. À travers les missions onusiennes, comment dire, les campagnes qu'ils ont menées, ils savent à quoi ils ont affaire. Ce n'est pas des soldats de parade. Alors, dire que vous allez venir, parce que c'est ça aujourd'hui qui choque, et c'est ça qui fait que les gens se sont vraiment sont remontés vis-à-vis contre la CEDEAO. Vous ne parlez même plus de oh, il faut restaurer la démocratie, voir dans quelle mesure la transition va se passer. Vous vous arc-boutez sur votre position qu'il fallait remettre le régime et le pouvoir. Alors, c'est. Moi, je dis quelque part, et c'est en cela que les gens comprennent qu'il y a la France qui manipule derrière, n'est-ce pas? Parce que le Niger représente un enjeu important pour la France, un enjeu très stratégique à cause de l'uranium là. Quand bien même nos mêmes gens qu'on a dégagés là, ils passent leur temps à dire que l'uranium ne vaut plus rien. Aujourd'hui, on se rend à l'évidence que l'uranium, c'est quelque chose de très important. Mais ils ont dévalué, ils ont des avocats locaux, c'est-à-dire les régimes qui viennent d'être dessus. Quand ils sortent, non, il y a plus, il ne faut plus rien espérer de l'uranium. Voilà un peu toute cette fixation contre le Niger. Et moi, je dis, ce n'est pas qu'il reculait. La CEDEAO risque d'éclater, tout simplement. Par rapport à la gestion de cette crise au Niger. Merci. Docteur, vers la fin de son élément, tout à l'heure, notre camarade, c'était Haïdara Youssouf, au lieu de Malima Bourima, pour corriger donc, l'auteur de ce reportage. C'est plutôt Haïdara Youssouf Haïdara. Alors, il a dit que cette annonce a été faite sans qu'il y ait d'autres précisions, sans que, surtout, on évoque quelques bases légales que ce soit. Par rapport à l'activation de cette force en entente qui n'existe pas physiquement, comme l'a dit Ousseini, et puis lui ordonner de se déployer sur le territoire nigérien. On n'a jamais entendu ça. Oui, il faut rappeler que, effectivement, la CEDEAO, on a constaté qu'elle a reculé, et c'est normal qu'elle recule parce que non seulement elle a choisi une mauvaise démarche. D'abord, avant de déclarer la guerre, il y a un faux pas pour la démarche, mais aussi une défaillance, une non-préparation du point de vue pratique. Du point de vue de la démarche, d'abord, la CEDEAO n'a aucun pouvoir. Aucun texte de la CEDEAO ne permet de déclarer la guerre à un pays membre de la CEDEAO. Ça, là, on a dit ça la dernière fois, ça n'existe pas. Même si guerre, il faut faire ce qu'ils vont préparer le dossier et puis ils vont l'envoyer aux Nations Unies où le Conseil de sécurité d'abord doit voter avec les 5 membres que nous avons dit. Et si un seul d'entre eux dit non, c'est un veto, le plan échoue. Donc, ils ont raté cette démarche-là. En allant, même dans les textes de la CEDEAO, effectivement, qui, dans un premier temps, réaffirme le principe de la souveraineté de chaque État, de l'autodétermination et de la non-agression. Ça, c'est clair. Mais surtout, s'il y a sanctions à prendre normalement au regard des textes de la CEDEAO, ce sont des sanctions en gradation. Et parmi ces sanctions-là, il n'y a pas une sanction de déclaration de guerre. C'est des sanctions où le pays, dans un premier temps, peut être suspendu aux réunions. Et lorsqu'il y aura même des réunions qui vont se tenir dans le pays qu'on veut sanctionner, il ne peut pas, la réunion ne peut pas se tenir dans le pays. En dehors de cette sanction de suspension, nous avons un autre type de sanction qui consiste à suspendre toutes les activités, notamment dans les instances politiques. Donc ce sont des sanctions d'ordre politique, mais pas d'ordre économique.
Donc, voilà le premier faux pas de la CEDEAO dans son choix de la démarche. Et pratiquement, on a constaté que rien n'a été pris du point de vue pratique en vue et d'aller à cette opération. Et par après, on a constaté que il y a la France, c'est effectivement la France qui est en train de faire la manœuvre. Le Nigeria, à travers son président, qui est en même temps président en exercice de la CEDEAO, il va, comment on appelle ça, lancer, et puis la France va venir derrière. Apparemment, c'est ce qui est en train de, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais par après, avec les Nigériens qui se sont soulevés et qui se sont regroupés comme un seul homme, et la communauté internationale a vu, les soutiens sont venus de partout. Et c'est ça qui a fait reculer la CEDEAO. C'est parce que, du point de vue pratique, ils attendaient à ce que la France agisse, selon les derniers éléments d'information, agisse à partir du Tchad et du Gabon. Malheureusement, ça a échoué. Et petit à petit, elle recule. Maintenant, elle se réduit à 9 membres. La Cap Vert s'est retirée. Et comment on appelle ça récemment, le Togo. Et enfin, vous avez dit... Parce que le dernier sommet, celui du 10, c'est 7 chefs d'État. Enfin, c'est 7 pays qui ont été représentés au niveau des chefs d'État au cours de cette réunion. Et, or, la CEDEAO est composée de 15 membres, comme on le sait. Alors, docteur. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas la majorité des pays qui sont représentés au niveau des chefs d'État, en tout cas, en termes de présence, donc, pour prendre ces décisions. Docteur. Moi, je me méfie des décisions de la CEDEAO, puisque je sais que ce n'est pas la CEDEAO qui agit, c'est plutôt la France qui agit. Quand vous prenez le discours de Tinubu à l'entame de la réunion et les conclusions, il y a un hiatus. Lui dit il faut désormais mettre l'accent sur la diplomatie, le dialogue, et ainsi de suite. Mais dans les conclusions, on nous parle de forces en attente qu'il faut, il faut mobiliser, et donc pratiquement on va vers la guerre. En réalité, la CEDEAO ici est manipulée. Dans un premier temps, le premier schéma consistait à utiliser les Tchadiens et leur territoire et le Gabon pour nous attaquer. Et donc après, les forces terrestres, je crois que le Nigeria devrait mobiliser 20 000 hommes, les forces terrestres, le Sénégal 1900, je crois la Côte d'Ivoire 1800, le Ghana 2000. Avec la pression interne, Tinubu s'est rendu compte que c'est une opération quasiment compliquée, difficile et presque impossible parce que tout le nord du Nigeria n'en veut pas. Or, il faut passer par le nord du Nigeria pour attaquer le Niger. Deuxième option, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, puisque le Tchad ne veut pas ouvrir son espace aérien, on va utiliser l'espace aérien et le territoire béninois. Il ne faut pas oublier ça là. Le Bénin est au centre, est l'un des faucons, en tout cas, de l'option pour la guerre. Alors là, il ne l'a pas caché. Alors que nous, on se disait que compte tenu de l'imbrication de relations économiques et financières, le Bénin allait avoir des réserves. Mais en fait, ce talon fait partie de ceux qui veulent que la guerre soit menée. Et donc, la deuxième option, le plan B, va consister à regrouper les forces terrestres au Bénin et à lancer des frappes à partir du Bénin. Parce que, vous voyez, par le parc national W, c'est moins de 200 km qui nous séparent. Donc, du territoire béninois. Donc, moi, je me dis, c'est une fausse reculade. Il faut faire extrêmement attention et être très, très vigilant parce que la France n'a pas désarmé. Et tant que la France n'a pas désarmé, la CEDEAO va agir. Vous voyez que ceux qui, aujourd'hui, veulent l'action, ce sont les pays francophones. Le Ghana même a fermé son espace aérien. Je crois que sous l'influence du roi Shanti, Nana Akufo-Addo a dit qu'il ne veut pas que son espace soit utilisé par l'aviation française. Notamment la réunion du samedi. Voilà, et qui a été reporté à une date. En réalité, c'est parce que il y a eu des pressions internes et externes. Et apparemment,
Au départ, la France et les États-Unis étaient sur la même longueur d'onde, mais les Américains, puisqu'ils ont eu envoyé, je crois, une sous-secrétaire d'État, ils ont échangé avec les militaires, apparemment les Américains sont en train de reculer. Et entre-temps, il y a eu l'intervention de l'Algérie, qui a parlé, voilà, et Poutine. Ce qui m'étonne, moi je vous le dis, hein, c'est l'attitude de la Chine, qui a énormément investi chez nous, qui sent qu'on tend vers la guerre, qui fait de très bonnes affaires chez nous, puisque le brut là, elle va l'exploiter à 85 contre 15, et qui ne dit rien. Ainsi que la Turquie, parce que s'il y a des frappes sur l'aéroport, c'est du matériel turc qui sera détruit, hein. C'est pas notre machin. Le hangar ne nous appartient pas pendant les 30 années à venir, le hangar appartient à la Turquie. Donc ces pays-là ne disent absolument rien du tout. Moi je me dis que il va falloir donc que le Niger, à partir de maintenant, se détermine. Le gouvernement qui vient d'être mis sur pied, je pense qu'il faut qu'il arrête les contrats avec les Chinois et les Turcs. On ne peut pas être amis uniquement quand vous avez besoin de nos sous. Pendant que nous sommes en difficulté, vous me dites... La Russie n'a pratiquement aucun intérêt ici. Mais Poutine, parce qu'il a peut-être des intérêts au Mali et au Burkina, il a eu à se prononcer. Il n'est pas passé par un porte-parole. C'est lui-même qui s'est adressé aux gens. Donc moi, je me dis sincèrement qu'il faut se méfier. Ce n'est pas une reculade. Les gens veulent nous endormir. Il faut rester encore vigilant jusqu'à ce que la France désarme et que la France quitte définitivement notre espace. On va écouter. Vous avez dit, hein, dans son discours d'ouverture, Tinubu a pourtant clairement dit que le socle des relations avec le nouveau régime militaire au Niger serait basé sur le dialogue et la diplomatie. Mais on a bien vu que dans les conclusions de cette réunion, bon, il y a une dichotomie. Sauf que cela s'est passé de façon tout à fait inhabituelle. C'est les chefs d'État qui, à la sortie de cette réunion, se sont mis à parler de ces conclusions, comme si c'est des décisions qui étaient prises à leur niveau, ou comme si ils sont les porte-parole de la CEDEAO ou de cette réunion de conférence de chefs d'État. En tout cas, même si c'est le cas, ils n'ont pas été officiellement annoncés comme parlant au nom de tous les chefs d'État à la suite de cette réunion. C'est d'abord Ouattara qui s'est prononcé. Je propose de suivre un extrait. Il parle ici de quelques exigences de la CEDEAO par rapport à la situation au Niger, notamment par rapport à la situation du président Dichu Bazoum Ahmed. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les Poutchis... Après Ouattara, et que nous allons suivre à nouveau dans un second extrait, je propose de suivre le président Talon, Patrice Talon du Bénin, et lui aussi à la sortie de cette conférence des chefs d'État, de la réunion de cette conférence des chefs d'État. Il était accompagné, vous le verrez peut-être un peu dans les images, par le président Macky Sall du Sénégal. Le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour l'Afrique. Pour le Niger, notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donnée comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment.
Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons, en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Monsieur Nissa. Ils sont arrivés au pouvoir. Lui, le grabataire ivoirien, il a modifié la constitution, afin de, comme avait dit, pour pouvoir se représenter, on sait dans quelles conditions. Lui qui vient de parler tout à l'heure, là, il a écarté tous les opposants qui sont dangereux, en tout cas pour sa candidature, il les a mis en prison. Alors, quand il parle de les Africains ont choisi la voie démocratique, les hommes. Mais malheureusement, ce qu'ils ne disent pas, ils parlent de bonne gouvernance. Est-ce que c'est la bonne gouvernance? Parce que quand il y a la bonne gouvernance, je ne vois pas pourquoi les militaires vont s'introduire dans l'arène politique. C'est justement le défi de bonne gouvernance, les mêmes civils. Quand vous venez, vous considérez, c'est ces mêmes militaires qui vous gâtent quand vous êtes au pouvoir. Alors, les militaires ne peuvent pas continuer à être neutres quand les pays sont mal gérés. Et quand vous considérez que vous, parce qu'on vous a élu et vous avez été mal élu, vous pouvez imposer aux populations ce que vous voulez. Ce n'est pas la volonté des citoyens qui sont exprimés. Moi, j'ai dit, c'est des chefs d'État qui sont à la solde de la France véritablement, qui considèrent qu'en faisant comme ça, ils savent ce qui se passe dans nos pays. Des emprisonnements illégaux, des détournements massifs de deniers publics. Pendant que les citoyens crèvent de faim, quand les gens n'ont pas accès à la santé, quand des milliards sont dilapidés par de quelques individus. Alors, la CEDEAO est où? Quand toutes ces pratiques-là ont cours dans ce qu'on appelle démocratie, quand ils parlent de parler, de travail à parfaire, non, on n'a pas besoin d'un travail. Mais quand vous muselez, vous, parce que vous êtes au pouvoir, en tant que civil, vous muselez le peuple. Vous lui empêchez toute forme d'expression. Prévus des mécanismes qui sont prévus par la Constitution. Alors, quand le peuple est étouffé, quand le peuple est acculé, le peuple a quel type de moyens encore pour amener ce chef d'État-là? Moi, je dis, inévitablement, quand il parle de bonne gouvernance, quand on n'impose pas aux chefs d'État, même ceux élus, on ne leur impose pas le respect de la bonne gouvernance, qui peut se mesurer à travers les actes qui sont pris dans les pays. Ils le savent, ils entendent le cri de cœur des populations quand les populations sont brimées. Mais ils sont où? Ils sont où ces messieurs-là? Ils sont où? Quand vous volez les urnes, quand vous bourrez les urnes pour rester au pouvoir, alors, le peuple sait que le monsieur qui est au pouvoir là, ce n'est pas lui qui l'a élu. Il s'est usé, il a utilisé la force et la justice pour s'imposer au peuple. Alors, où est la démocratie dedans? Non, moi j'ai dit, ils sont au service de la France, tous ces deux-là. Tous ces deux-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Chez eux, ce n'est pas la démocratie qui est menée, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de consultation véritablement populaire et on interdit aux citoyens de s'exprimer à travers les voies qui sont prévues par la démocratie. Tout le monde sait qu'au Niger, même les déclarations sont devenues un temps dangereuses. Quand c'est des déclarations pour dénoncer, parce que facilement, on peut vous envoyer en prison. Les marches, on n'en parle même pas. Marches pacifiques, soutien, on n'en parle même pas. Alors, quels sont les mécanismes? Qu'ils disent quel type de mécanisme existe? Parce que dans tous les cas, le monsieur, il s'est imposé, il a corrompu tout le monde. Il va aller à des élections, même s'il est battu. Il va créer les conditions pour pouvoir rester. Oui, parce qu'il parle d'écoute. L'armée peut continuer. Moi, j'ai dit, il n'y a que l'armée qui peut faire, comment dire, l'arbitre, quand ça ne va pas. Il n'y a que l'armée. Ou ils se disent la vérité entre eux, ou bien l'armée va continuer à jouer l'arbitre. Aujourd'hui, quand il y a eu cet événement-là, toutes les populations sont contentes parce que c'est une délivrance. Absolument. C'est une délivrance après pratiquement plus de 8, 9 ans, 10 ans. De comme avait dit, l'indigène était dans une prison à ciel ouvert. On voit des gens s'occuper du néant, s'accaparer des ressources, y compris les ressources naturelles, contrôler les ressources naturelles, sans transparence, rien, dans l'opacité la plus totale. Et que le monsieur vient nous parler de non, les peuples, quel merci. Peuple merci. Est-ce qu'ils savent ce que les peuples merci. Vivent merci, Ousseini. Alors, on parle de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, mais ce que les gens voient, ce que le monde entier voit, et les Nigériens aussi, c'est le président Ouattara, le président Talon,
Macky Sall éventuellement. Parce que Tinubu, même si on en parlait dans un premier temps, c'est vrai qu'il est le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, mais on a eu l'impression qu'il s'est beaucoup plus mis en retrait. Ces dernières sont 12 heures, voire un peu plus, ces derniers jours. En tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est Ouattara, c'est Talon, c'est Macky Sall. Oui, effectivement, c'est pertinent de poser cette question-là, parce qu'ils ne sont pas les seuls chefs d'État de la CEDEAO. Mm-hmm. Et à ce que je sache, ils ne sont pas porte-parole de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et mieux, c'est un constat qu'il faut faire, hein? Un constat du communiqué de la conférence des chefs d'État et de ce que eux ils sont en train de dire. Vous constatez de vous-même qu'il n'y a pas une harmonie et ce n'est pas sérieux de leur part. Même s'ils doivent faire de communiqués, ils doivent communiquer sur leurs décisions, mais il faut qu'ils s'alignent. Normalement, ils doivent s'aligner sur le contenu du communiqué des chefs d'État. Mais ce qu'on constate ici, c'est qu'ils sont venus, chacun est en train de raconter sa vie, chacun est en train de montrer qu'il est le vrai valet, serviteur de la France. Et dans tout ça, Draman, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il faut comprendre que aujourd'hui, la France, si elle est en train de nous tenir cette cabale, c'est parce qu'elle est seule, elle est la France comme ça. C'est parce qu'elle est dans une union. Elle se sent dans un groupe où elle a un appui, notamment l'Union européenne. Et la France ne veut pas du tout de la CEDEAO parce qu'ils savent qu'à partir de cette institution, il y aura la mort du franc CFA. Vous comprenez? En même temps, ils sont en train de déstabiliser notre pays, mais aussi de profiter pour casser totalement la CEDEAO et anéantir le projet de la monnaie, de la monnaie qu'il nous faut. Il y a ça. Mais j'ai dit en un mot ce que le communiqué de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui nous a été rendu n'est pas la même chose que ce que Ouattara manque d'harmonie. Donc j'ai dit que quelque part cette situation a mené un dysfonctionnement de la CEDEAO elle-même, puisque les gens parlent de gauche à droite et il n'y a aucune harmonie dans ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est ce qui laisse croire que il y a quelque part une manipulation. Pourquoi ils ne peuvent pas parler d'une même voix? Pourquoi, quand bien même on décide, tu vas voir que d'autres pays encore vont se retirer? Par exemple, dans la première réunion du 10, le Togo n'était pas aussi, comment on appelle ça, reculant comme il est. Et en fin de compte, il a catégoriquement empêché le second ou bien l'assaut à partir de son pays. Aussi, oui, tout à fait. Oui, aussi, si ce n'est pas la France, qu'est-ce qui amène le Tchad et le président tchadien dans l'affaire de la CEDEAO? Oui, alors que le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Vous voyez la manigance? Ça, c'est la manigance de la France. Et dans tous les cas, les chiffres des militaires qui sont en train d'avancer, même s'il y aura attaque, ce ne sont pas les vrais militaires qui vont venir attaquer. Après, on a compris le complot. Vous avez vu que Rissa déjà et autres civils ont créé, je ne sais pas, un collectif qu'ils appellent CRR. Comment il s'appelle? Comité de la résistance pour la République. Donc ils ont créé ce comité là et d'autre part ils ont insinué que il y a 4120 militaires qui sont en rébellion contre Tchani et qui sont pilotés par Abou Tarka. Même si ce n'est pas vrai, l'insinuation c'est que c'est leur ami terroriste qu'ils veulent habiller en tenue nigérienne, quelque part, et qui vont servir des soldats de la CEDEAO. Il y a ce problème-là. Et d'une part, le Tchad qu'on veut forcément amener dans l'espace CEDEAO avec cette situation constitue constitue
constituent les militaires de la CEDEAO. Sinon, quand vous prenez, comme ils sont en train de parler, quand vous prenez certaines communications des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO, ils ne sont pas prêts à venir faire la guerre. Tout à fait. Et quand même ils vont commencer, la résistance va commencer dans leur pays, dans les différents pays. Ce qu'il faut constater enfin, oui. La France a demandé d'évacuer ses ressortissants. L'Union européenne a demandé d'évacuer ses ressortissants. Mais en ce moment, eux, les chefs d'État de la CEDEAO, ils n'ont pas demandé l'évacuation des ressortissants de leur État dans notre pays, le Niger. Ils oublient que quand les balles vont pleuvoir et quand elles vont pleuvoir, est-ce qu'elles vont trier les militants des partis au pouvoir et puis tuer les autres? Non. Écoutons ce second extrait avant d'arriver à vous, hein, du président Ouattara, qui parle justement de cette intervention au Niger. Il dit qu'il a donné des instructions à ses forces armées et il donne quelques détails et parfois assez burlesques. On suit Ouattara, le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constats de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ses troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. C'est complètement extraterrestre. Sinon, je crois qu'il rêve. Un bataillon, le combat ne durera pas 30 minutes. S'il ne le sait pas, on peut le lui apprendre. Je crois qu'il ne connaît pas la guerre. Il ne faut pas souhaiter la guerre. Mais un bataillon ne pourra pas tenir, même face à une ou deux sections nigériennes. C'est des gens qui ne connaissent pas. En tout cas, les dernières générations là n'ont pas connu la guerre en Côte d'Ivoire. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont nos soldats qui sont allés rétablir la paix là-bas. Je pense que Ouattara l'a oublié. Ouattara est resté ici à l'hôtel Gawaï, dans une suite présidentielle payée par le Niger pendant au moins 7 mois. Guillaume Soro aussi. Je crois qu'il l'a oublié. C'est de l'ingratitude de sa part. En plus, les détails qu'il donne là, on sent qu'il n'y a rien de sérieux. Moi, je vous dis, ce n'est pas la CEDEAO, c'est la France. On ne peut pas envoyer un bataillon face à une armée qui est déjà aguerrie, qui a 30 ans de combat, puisqu'il ne faut pas oublier, depuis les années 90, nos forces sont en train de se battre. Moi, je pense que c'est un challenge. Et en le disant, on se rend compte qu'il il nie ou il met de côté complètement toute la procédure. Les conclus. Toute la procédure oui. de mise sur pied d'un contingent, d'un pays. Non, en plus, c'est qu'il est venu déjà à la CEDEAO avec le papier. Oui. Mais ce qu'il est en train de dire, lui, il est en train de mentir. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO n'a jamais décidé ce que lui, il est en train de dire. Et donner un délai de 3 mois. Non, il dit même si la guerre prenait 3 mois. Non, il pense qu'ils vont venir en promenade de santé ici. Je pense qu'il ne connaît pas la guerre. Non, mais même 3 mois, c'est comme si vous venez vous installer. Non, c'est que voilà, comme tu dis, c'est RF. Lui, comme la France est venue déloger Gbagbo pour le mettre à la présidence, c'est tout à fait normal qu'il croit que on peut venir le faire. Mais ici, c'est qu'il oublie. Bazoum est dans les mains des militaires. Et ils veulent qu'on tue Bazoum pour qu'il ne parle pas. Oui. Mais les militaires ont compris, ils ne veulent pas le tuer. Mais s'ils veulent le pousser, ils apprennent que les militaires sont là à la frontière. Mais c'est fini, Bazoum va mourir.
et leurs familles qu'ils ont laissées ici. Ils sont tous à la CEDEAO, hein? Les Abou Tarka, les Massaoudou, ils ont élu domicile à la CEDEAO. À la dernière minute, on apprend que Zakari Oumar même est là-bas. Donc, ce n'est pas une décision. Lui, il n'est pas en train de commenter une décision ou bien un communiqué des chefs d'État de la CEDEAO. Comme j'ai commencé à expliquer, ils veulent créer du trouble. Ils veulent mobiliser leurs amis terroristes qui sont le reliquat de ceux qui sont là pour créer des troubles. Dans ce menu mélo, on va dire que c'est la CEDEAO qui agit, alors que c'est faux. On finit avec vous sur ça. Et encore que la procédure qu'il a dite ici, qu'il a ordonné au chef d'état-major de mobiliser les troupes, etc., je ne pense pas si la Constitution ivoirienne prévoit cette procédure. Il y a quand même un Parlement, il y a quand même un gouvernement, il y a quand même des institutions qu'il faut mettre à contribution. Et ce qu'il dit est complètement à côté de ce qu'on... Absolument. Tinubu, qu'il prenait, lui, Alassane Ouattara, se prend comme un technocrate intellectuel. Mais Tinubu a noyé tous ces chefs d'État-là. Lui, au moins, il a écrit pour demander. Il sait que c'est impossible. Il sait que ce n'est pas possible. Il a écrit, au moins lui, il a demandé l'avis du Sénat, au moins il a écrit. Mais tous les autres chefs d'État. Ou bien, c'est le Nigeria qui va nous faire la guerre, ce n'est pas la CEDEAO. Si tant bien qu'il faut respecter la démarche. De la même manière que Tinubu s'est adressé à son Parlement, tous les autres chefs d'État des autres parlements doivent être adressés. C'est prévu, ou du moins, c'est prévu. On n'a pas pu récupérer et mettre et vous faire écouter. Mais je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux des parlementaires ivoiriens et béninois se sont prononcés sur ce que la procédure complètement n'a pas été respectée et qu'eux ils sont complètement en porte-à-faux avec les propos de leurs présidents respectifs. Oui, Alassane Dramane Ouattara, il est en train d'errer. Il est en train d'errer et ce que Tinubu vient de faire, sa démarche même, elle est plus acceptable que celle de Talon et de Ouattara. Lui, Macky Sall, il n'a pas réagi, c'est parce que lui aussi, il a des problèmes là-bas. C'est parce qu'il a de gros, gros problèmes. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est-à-dire, ce n'est pas la CEDEAO qui agit. Parce que entre ce que les chefs d'État disent individuellement, ce n'est pas la même chose que le contenu de la réunion. Tout le monde a écouté le socle. Lui, le président en exercice de la CEDEAO, il a dit là, le socle de la démarche maintenant, c'est la diplomatie. Mais avant de faire la diplomatie, déjà, vous parlez du dispositif de la guerre. Docteur, oui. C'est vous qui avez la parole. Vous savez, moi, sincèrement, je ne suis pas surpris. Parce que, voyez-vous, regardez comment les Blancs nous ont colonisés. En fait, ils ne sont pas venus en grand nombre. Non, les tirailleurs sénégalais ont été formés à Saint-Louis par FEDER. Et puis, bon, à partir de Saint-Louis, maintenant, ils ont essaimé sur le Mali, avec maximum 9 Blancs qui les encadrent. Et puis, bon, voilà. Donc, en réalité, on est toujours dans ce schéma-là. Ce qui est lamentable, hein, c'est que les deux chefs d'État qui interviennent, qui disent qu'ils veulent rétablir la... Mais en réalité, même dans leurs propos, on sent qu'ils n'ont rien à voir avec la démocratie. Comment, en tant que chef d'État, tu vas ordonner au chef d'État-major de mobiliser des troupes pour aller faire la guerre dans un autre pays, en dehors de tout texte, c'est-à-dire les textes peut-être de la CEDEAO qui prévoit la guerre, c'est au cas où un autre pays agresse un pays membre de la CEDEAO. Là, en ce moment-là, les autres ont l'obligation de créer une forme de solidarité pour lui venir. Mais ici, c'est un problème interne. C'est dans ce problème interne-là que vous voulez intervenir pour dire que vous venez faire la guerre. C'est ça qui est dangereux. Et donc, en passant outre les recommandations et démocratiques dans votre propre pays. Voilà. Et donc, vous ne respectez pas les institutions démocratiques, mais vous demandez aux autres... Il y a deux manières d'arriver au pouvoir. Soit par les urnes, soit par l'acclamation. Bazoum, tout le monde sait qu'il n'a pas été élu par le peuple nigérien. Moi, je pense que si on doit revenir, on doit revenir sur beaucoup de choses. Bazoum, mais au moins le CNS aujourd'hui, le CNSP, aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir par acclamation. C'est une manière de voter. C'est les deux voies. Ou tu viens par les unes, ou on t'acclame, aux mains levées. Donc aujourd'hui, si Tchani est investi, Tchani est investi en tant que président de la République par acclamation populaire. Et ça se fait. Moi, je me dis que, vraiment, ça, en dehors de tout, machin,
Ça, c'est la deuxième option. Mais la première option dans laquelle Bazoum s'est retrouvé, tout le monde sait que Bazoum n'est pas élu. Moi, on ne l'a jamais caché ici. Dans tous les débats, bien avant le coup d'État, tout le monde a dit que Bazoum n'est pas élu, qu'il y a eu au moins 1 million de voix fraudées et à partir de Kalachnikov et de... 923 000 voix. Pour lui faire exactement. Passer. Alors que, jusqu'à ce que ces chiffres-là interviennent, c'est au moment où ce monde qui était en tête. Donc, qu'on vient nous dire qu'on veut rétablir le droit, de quel droit, moi, je... D'abord, Talon, vous savez qu'il n'a aucun niveau, hein, il n'a aucun diplôme. C'est un commerçant. Talon n'a rien. Hein. Quand vous l'entendez raisonner, vous savez qu'il n'a pas grand-chose dans la tête. Comment tu vas parler de droit? Tu vas parler de mobilisation de tes troupes? Tu vas rétablir le droit dans un pays alors que toi-même, tu ne sais pas ce que c'est que le droit? Parce que savoir le droit, c'est quoi? Au moins savoir respecter les textes. Respecter les textes de la CEDEAO. Vous venez, dans les textes, est-ce qu'il est question de couper l'électricité? Non. Vous êtes parti, vous avez placé la barre à 15 km de nos têtes. Après, vous nous dites non, on va négocier quoi? La première négociation qui doit avoir lieu, avant tout, c'est le rétablissement de l'électricité et l'autorisation de la libre circulation et des biens et des personnes. Parce que nous sommes un pays continental. Et la fermeture des frontières. Voilà, même si nous ne sommes pas membres de la CEDEAO, nous avons le droit que nos marchandises circulent dans l'espace qui a été déterminé. Parce qu'il y a des lois au niveau de l'ONU qui permettent, en tout cas. Vous ne pouvez pas venir nous bloquer, imposer un blocus au Niger et dire non. Je ne sais pas si vous nous en avez parlé. Ce blocus, c'est la convention, sur les pays sans littoral qui ont droit à avoir. C'est une convention de l'ONU. Non, on appelle le droit de la mer. Et tous les pays, même enclavés, ont un droit accès à la mer. Oui, les pays sans littoral. Oui, les sans littoral. Mais maintenant, ce qui est là, il y a des protocoles additionnels au traité de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens, sur la carte CEDEAO, sur le travail dans l'espace CEDEAO, tout ça là, qu'est-ce qu'ils en font? On ne peut pas fermer une frontière sans avoir violé. On ne peut pas le faire sans violer les textes là que j'ai énumérés. La circulation des personnes et des biens. L'usage et la jouissance de la carte et du passeport CEDEAO. Le travail de l'espace CEDEAO. Mais dans tout ça là, ces chefs d'État-là, ils ne parlent pas de la même voix. Quand vous écoutez aujourd'hui Georges Weah, qu'est-ce qu'il dit? Le président du Nigeria. Oui, Georges Weah. Mais il a touché le problème du doigt. Il a dit si la CEDEAO doit condamner les coups d'État des militaires, elle doit condamner en même temps les coups d'État constitutionnels. Oui, absolument. Là, elle sait de quoi elle parle. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que le travail... Et il s'est formellement opposé contre toute intervention militaire de la CEDEAO. Tout à fait. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ce que la CEDEAO doit faire, et pour rendre service aux membres, aux citoyens de l'espace CEDEAO, c'est de se poser des questions et de trouver les solutions sur les raisons qui poussent au coup d'État. Ce n'est pas de gaieté de cœur aujourd'hui. Si, mais on l'a dit, après les deux coups d'État du Mali et du Burkina, on a constaté que cette soi-disant démocratie dans les pays francophones d'Afrique. Parce qu'il faut le préciser, c'est surtout ça. Les pays francophones d'Afrique. Oui. Est biaisé. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Hausa disent? Ce qui amène un rat dans le feu, là, il sort de son trou, là, il va directement dans le feu. C'est que le trou, là, c'est plus chaud. Si aujourd'hui, les gens tournent le dos à la démocratie et qu'ils applaudissent les coups d'État, ce qui veut dire que quelque part, il y a un échec de la gouvernance démocratique par les partis politiques. C'est ça le problème. Donc maintenant, la CEDEAO aussi, elle veut rendre service, c'est de s'intéresser aux préoccupations et aux raisons qui amènent les coups d'État, la malgouvernance. Voilà en un mot le problème. Et d'ailleurs, le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, sur la démocratie et la bonne gouvernance, visait cet objectif, entre autres. Visait cet objectif. Essentiellement. Tout à fait. Oui, Houssein Issa. Comment voulez-vous qu'un syndicat, les chefs d'État, moi je les considère comme syndicats. La preuve est Ouattara comme un talent. Ils viennent, ils parlent comme si ils sont des rois. Je décide de la guerre contre le Niger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis président, que l'Assemblée soit d'accord ou pas, moi, je vais envoyer des troupes. Le Sénil, lui aussi,
Je vais envoyer, je dois donner des instructions à mon chef d'état-major général pour la mobilisation et les ressources nécessaires. Sauf que lui, il a des mercenaires. Les militaires exigent 25 comme... millions chacun. C'est comme s'il s'agit d'un roi. C'est comme, oui. Qui va en campagne. Qui peut passer outre qui n'a pas, le roi, l'autorisation il a de quelque chose que ce soit. C'est comme un roi. Oui. Alors. Ce n'est pas autant des rois, il faut des consultations. Mais je suis justement, mais d'abord, d'accord, quand tu vas aller envoyer un autre camarade, ça dit tu consultes d'abord ton entourage, le chef de guerre, les autres, les médias et autres, ils vont te dire quelles sont les stratégies à mettre en place. Mais ici, on voit qu'on n'a pas affaire à des démocrates. La démocratie, c'est juste, comme avait dit, un tremplin pour eux, pour rester, un slogan, mais parce que c'est cru. Quand on dit la démocratie, tout le monde est d'accord que la démocratie, c'est le meilleur système politique pour permettre la participation citoyenne à la gestion de la cité, n'est-ce pas? Mais est-ce que ces gens qui parlent, parce que quand on parle de bonne gouvernance, est-ce que vous les avez vus s'intéresser aux problèmes qui se posent en matière de bonne gouvernance dans les pays où il y a eu des élections bâclées? Jamais. Jamais. Ils ferment totalement les yeux. Les emprisonnements, les interdictions de manifestations. Mais, ça, mais c'est en train de se passer au Sénégal, mais, alors, au Sénégal, c'est en train de se passer. Alors, l'emprisonnement des on voit bien que le pouvoir actuel au Sénégal alors, utilise la justice pour empêcher à un candidat potentiel on utilise de se présenter aux élections. Mais alors, à partir du moment, quand Talon vient dire qu'il faut parfaire, on va parfaire quoi? Quand toi, parce que tu es au pouvoir, tu considères que c'est toi qui vas décider des règles du jeu. Ce n'est plus les règles de jeu prévues par les textes, mais c'est tes propres règles de jeu. J'utilise la justice, j'utilise la force publique pour faire taire mes opposants. Tu alors, en même temps arbitre. Alors ah. À partir du moment, pourquoi se plaint-il que le troisième ou le machin, le comment on appelle ça, celui la force en attente, pour reprendre leur expression, l'armée qui peut faire le rôle d'arbitrage. Quand ça ne va pas, l'armée est obligée, c'est des citoyens comme les autres, seulement ils portent la tenue. Ils ont aussi mal quand ça ne va pas dans un pays. Ils ont aussi mal de voir des gens tomber parce que tout simplement, il y a une malgouvernance dans le cadre de la gestion sécuritaire. Ils ont aussi mal de voir les citoyens, les enfants des pauvres, ne pas pouvoir aller à l'école parce que des écoles sont fermées dans les villages et tout. Alors, tout ça, là, la CEDEAO était où? Ces messieurs étaient où? Quand ces choses-là se produisent, ils ont été où ces gens-là qui sont en train de s'activer? Et quand on voit un peu, et c'est en cela que j'ai dit, tout ce qu'on vient de le dire, Dr Bounty, comme les Rwandais viennent de le dire, c'est que c'est la France qui manipule. On a vu comment la réaction de Macron, il a suivi qu'il y ait le coup d'État, et Macron qui s'empresse pour convoquer un conseil de défense. Parce que le Niger et la France, là, c'est la même chose. Le Niger, c'est un pays souverain. Mais en quoi il va convoquer un conseil de défense? Pour décider de quoi? Moi, je dis, c'est quelque part à la suite de ce conseil de défense-là qu'ils ont actionné la CEDEAO. Voilà, voilà, voilà ce qu'il faut mettre en œuvre. Et regardez les mesures qu'ils ont imposé aux citoyens. Merci. C'est sans commune mesure. Merci. Et vous voulez négocier sur quoi alors? Merci. Merci. Vous avez déjà alors... décidé d'asphyxier, tuer les populations. Vous allez négocier quoi? Alors. Vous connaissez déjà la position des soldats qui ont fait l'affaire. Vous voulez qu'ils reculent? Quelle garantie? Il n'y a pas de garantie. On parle de clémence. Absolument. Et surtout qu'il va déjà. Oui, alors on a parlé jusqu'ici de la CEDEAO et c'est pas fini. La CEDEAO donc est un des acteurs clés. Et dans le cadre de cette cabale contre le Niger, mais la France aussi, et selon beaucoup d'observateurs et selon vous sur ce plateau, c'est la principale instigatrice de toute cette cabale. 48 heures ou 72 heures avant la tenue de ce sommet, de ce deuxième sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO le 10 août dernier, donc 48 heures avant la tenue de ce sommet, les nouvelles autorités nigériennes dénonçaient déjà une action malveillante donc de la France vis-à-vis donc du Niger et dans le cadre d'un communiqué, ces communiqués qui sont devenus maintenant assez réguliers, assez connus. Dans son communiqué numéro 25, le porte-parole du CNSP rendait public cette nouvelle à l'opinion nationale et internationale. Je propose de suivre. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger
de Burkuburku, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatagala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des trois frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés au nombre de 16 ont été appréhendés dans trois opérations, dont deux en territoire nigérien. Le 15 juin 2023 à Yessi, 38 km de Bankilari, ayant conduit à l'arrestation de trois terroristes. Le 16 juin 2023 à Makarma, ayant conduit à l'arrestation des cinq terroristes. Le 7 juillet 2023 à Tin-Atissan, 15 km ouest Ouroura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisé. En tout état de cause, le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes. Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple, de rester mobilisés et vigilants. Aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question. Oui, Ousenissa, par rapport aux libérations, à la libération des terroristes, parce que la France a répondu à ce communiqué, et tout à fait bizarrement, ils l'ont fait de façon prompte, or qu'ils n'ont jamais réagi jusqu'ici, par rapport à tout ce qui s'est passé, en tout cas pas officiellement, qu'ils n'ont pas libéré les terroristes, mais que oui, un aéronef français a violé l'espace aérien nigérien, mais ce n'est pas un viol de l'espace, puisque cet aéronef avait été autorisé par des autorités militaires nigériennes. Par qui ? Quelle est l'autorité militaire ? Est-ce qu'ils l'ont dit ? Mmh. Voilà les autorités militaires, c'est la junte. C'est eux qui contrôlent aujourd'hui la situation. Mmh. Après de qui ils ont eu cette autorisation-là ? Ils n'ont qu'à le dire. Mais dans tous les cas, par rapport à cette libération, tout le monde, en tout cas l'écrasante majorité des Nigériens, est convaincu que ce qui se passe dans la zone de la Bérie et pendant toutes ces années, c'est avec la complicité de la France. N'est-ce pas ? Tout le monde est conscient, tout le monde est convaincu que c'est ça. Ils sont là dans la zone. Ils sont venus avec leurs forces, avec les moyens, comme ils disent, sophistiqués, pour pouvoir surveiller. Ils ont des drones et tout et tout. On vient, on attaque des villages, on tue des pauvres populations, on pille, on empoque des bétails, 100 têtes de bœufs, 40, 100, 200 têtes, 500 têtes de bœufs. Que des gens convoient 500 têtes de bœufs, sans qu'on puisse les voir. Alors, ils servent à quoi? Et on voit que tout le temps, ces touristes, ils ont le carburant, en pleine brousse. Ils ont des armes sophistiquées souvent. Ils ont des moyens de communication sophistiqués. Alors ils trouvent ça où? Où se trouvent les marchés, comment ça s'appelle, les marchés clandestins de vente de ces genres de matériel? Il n'y en a pas.
En tout cas, pas dans la zone. Alors, ça veut dire qu'ils sont là. Ils ne sont pas venus nous aider. Nous l'avons toujours décrit sur ce plateau. Ils sont là avec des visées bien précises. N'est-ce pas? Ils se sont implantés parce qu'il y a une zone, c'est une zone qui est encore très riche. De la même manière que le Nord est riche, cette zone aussi est riche. Il faut créer les conditions, comme avait dit de psychose généralisée pour chasser les populations. Ça les arrange. Ils ont tenté au Mali. Il faut voir au Mali, quand ils les ont chassés du Mali, ils ont pu maîtriser la situation rapidement. Mais ici, ils sont avec nous, mais on constate que ça continue. Et la politique ici, le discours, le narratif des autorités qui ont été évincées, c'est de dire, nous maîtrisons mieux la situation que le Burkina et le Mali. C'est-à-dire, c'est le même discours que les Français leur mettent dans la tête. Alors, aujourd'hui, c'est avéré, et à partir de ce qui a été dit, je ne vois pas quel plaisir ils vont prendre à mentir sur la France. Je ne vois pas. Quel intérêt ils ont à mentir sur la France? C'est des faits qui sont là. Comme un avion, on dit que l'espace aérien... En fait, dans beaucoup de réactions, dans la communication du CNSP, ils se sont beaucoup abstenus de nommer. Hein, oui. Ils ont toujours dit une puissance étrangère. Ils sont clairs maintenant. C'est ce communiqué numéro 25 qui a dit clairement qu'il s'agit des forces françaises. On n'a même pas besoin, mais ils n'ont même pas besoin. Tout le monde sait que c'est la France. Oui, merci. Ce n'est pas les autres forces. Ils sont là peut-être... En accompagnement en matière logistique et autres. Mais les Français, on sait qu'ils sont là pour cette sale besogne-là, créer une situation Oui, mais finalement, la France, on l'a compris, elle a des intérêts ici. Mais pourquoi elle pense que des nouvelles autorités, éventuellement, que ce soit celle du CNSP ou d'autres, ne vont pas protéger ou garantir leurs intérêts? Il faut coûte que coûte que l'ancien régime, le régime de Chir, revienne. Oui. Parce que c'est l'ancien régime qui garantit leur intérêt. Et probablement, même si certaines personnes des autorités actuelles ont une affinité avec le pouvoir déchu, mais du moment où ils ont constaté que le peuple s'est approprié de la chose, que le peuple ne va pas se laisser faire. Mais dans tout ce brouhaha-là, Draman, mais maintenant que tout est clair, on a compris. Tout est clair, on a compris. Donc, moi je pense que il n'y a pas lieu à tergiverser, mon frère Bounty. C'est un principe universel. Quand on tue un serpent, on lui coupe la tête. C'est les militaires autorités qui sont habilités à agir et à parler au nom du Niger qui ont parlé. Et nous avons compris que c'est clair. À partir de cet instant-là, nos accords avec la France, ce n'est même pas une question de dénonciation. C'est une question de résiliation ici et maintenant. On parle de la dénonciation, c'est dans la situation ordinaire, quand il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est clair, c'est avec eux qu'on a des problèmes directement. Mais est-ce qu'on peut avoir des accords avec ces gens-là? Donc je pense qu'il n'y a plus question de dénonciation, mais il y a la résiliation qui s'impose. Ces accords-là doivent être résiliés ici et maintenant. S'ils ont demandé à rapatrier leurs compatriotes, c'est parce que justement, ils savent qu'ils vont créer ces troubles-là. Ils savent que la CEDEAO n'est pas prête. Les militaires de Alassane Ouattara et Talon sont là en train de se comporter comme les vrais valets. On sait que même si eux, ils veulent qu'on le fasse, leurs militaires ne vont pas venir, ça c'est clair. Au préalable, si les militaires ivoiriens ont dit qu'il leur faut 25 millions pour bouger, c'est parce qu'ils savent qu'on ne peut pas leur donner cet argent. J'ai lu dans une plateforme un communiqué de l'Union européenne qui se rétracte pour ne pas donner les moyens. Donc, voilà, la France veut utiliser ses amis terroristes qui sont ici dans le Sahel. Ce sont eux qui vont être mobilisés avec les moyens qu'ils vont leur donner pour déstabiliser le Niger et sous le coup couvert de la CEDEAO. On a appris avant-hier, vers Sokoto, un véhicule militaire ou des véhicules militaires, un d'entre eux s'est renversé avec des militaires. Pourquoi faire? Vous comprenez? Donc, les chefs d'État sont en train de s'agiter, de faire montrer qu'ils vont agir. Or, en réalité, il n'y aura rien. Ce sont les terroristes au niveau interne, c'est eux qu'on veut mobiliser. Et ils vont essayer de déstabiliser. Maintenant, quand ils vont semer le trouble, c'est en ce temps-là qu'ils vont venir, Bounty l'a dit.
au parc de Doublio, on est à 200 km du Bénin. Donc, je pense que on va aborder dans notre deuxième thème là, dans les priorités. Les priorités ici là. Non, pas encore. Les priorités ici là, c'est de chasser la France tout de suite et maintenant. Non, oui, mais ces accords ont été déjà officiellement et formellement dénoncés. Non, on a dépassé le stade de dénonciation à Brabant. Maintenant, ils vont être résiliés. Par voie diplomatique. Non, la procédure est déjà enclenchée, vous le savez plus que moi. La procédure est déjà enclenchée. Ici, je vous dis, donc tu ne m'as pas compris. Si. J'ai dit ici, là, oui. Du moment où ils sont en train de nous déstabiliser, aussi au vu de tout le monde, la déclaration vient de passer. Donc, ce n'est plus une situation ordinaire où il faut parler de la dénonciation. J'ai dit, il faut résilier. Résilier, c'est quoi? Oui. C'est qu'ils quittent tout de suite et maintenant pour aller. Oui. Parce qu'ils nous ont déclaré la guerre. Absolument. Et manifestement, on constate des actes de guerre. Donc, on n'a pas affaire avec leur contrat, c'est tout. Oui, docteur. Oui, docteur. Oui, docteur. Moi, je ne vois pas la CEDEAO. Moi, la CEDEAO, c'est la France. Parce que, en fait, même la CEDEAO ici, et bon, on a l'impression que ce n'est pas la CEDEAO, on a affaire à deux ou trois pays. C'est, en fait, c'est bon, si, sous le couvert de Lyon, moi. Sous le couvert de Lyon. Même si on a entendu, Ouattara et Talon ne veulent pas qu'on les dise comme ça. Ils disent que c'est l'ensemble de la CEDEAO. Ce que le porte-parole n'a pas dit. C'est plutôt quelques pays. Non, ce que le porte-parole n'a pas dit. C'est la France qui a exfiltré les Mossoudou dès le premier vol. Oui, les Mossoudou étaient à l'ambassade de France. On les a exfiltrés parce qu'ils ont créé une confusion. Pour le premier vol, on dit tous ceux qui veulent partir. Et nos militaires n'ont pas pris le soin de les obliger à s'enregistrer à l'aéroport. C'est les Français eux-mêmes qui enregistraient, qui faisaient passer. Voilà. Voilà comment la France a fait partir un certain nombre de gens aujourd'hui qui disent avoir constitué un gouvernement, un gouvernement en exil. Non, pas avoir sur le point. Non, non, non. Non, sur le point de. Al-Kash a dit qu'ils sont, en train de s'organiser pour former un gouvernement. Un gouvernement la possibilité de former un gouvernement. Et moi, je suis entièrement d'accord avec Tchani quand il dit que l'objectif premier, c'est de créer une sorte de somalisation chez nous. Regardez, à peine, moi, je ne parle même plus de coup d'État, je parle d'ajustement structurel politique renforcé. Ça a eu lieu, moins d'une semaine après, on nous dit que Idriss Agboula a rejoint 4000 combattants avec le général sur le papier là, qui était un déserteur déjà quand il était lieutenant, et aujourd'hui, général, il déserte, c'est Abou Tarka. Et que donc ces gens-là, ils ont 4120 combattants à leur disposition, ils vont marcher sur Niamey. Quand vous voyez le deuxième plan, le plan B, à travers lequel les Béninois sont censés rentrer au Niger, c'est le parc national W. Le parc national W est infesté de terroristes. Donc ça veut dire en réalité que ces gens-là, ce sont les amis des Français qui les maintiennent là pour qu'ils assurent la sécurité, en tout cas vis-à-vis de notre pays. Donc ça veut dire quoi? Moi je pense qu'il faut mettre de côté la CEDEAO. C'est à la France qu'il faut s'adresser. Même l'Union européenne a compris que la France est en train de jouer un sale jeu. L'Union européenne ne veut pas suivre. Regardez. Et dans ce jeu-là, c'est même l'armée française, je crois, est devenue otage de Macron. Personne n'a remis en cause, quand les militaires sont arrivés, n'a remis en cause les accords économiques ou militaires avec la France. Les gens ont dit, tout ce qu'on veut, c'est que vous nous respectiez. On n'a jamais dit qu'on ne va pas vendre l'uranium à la France, jamais. Et d'ailleurs, ça continue, ils continuent à transporter. C'est eux qui extraient l'uranium. C'est eux qui conditionnent l'uranium. C'est eux qui transforment l'uranate en uranium chez eux. À la fin de l'année, ils nous disent, bon, on a eu 5000 tonnes, venez, on va partager. Personne n'a remis ça en cause au départ. Mais les actions malveillantes de Macron ont poussé les militaires à regarder de près ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte que en réalité, ceux qui sont censés être nos amis, venus nous aider à combattre le terrorisme, sont en réalité les terroristes. Parce que tous les actes que la France est en train de poser, on ne peut pas les poser face à un État souverain. La France est devenue un État terroriste à partir du moment où ils ont fait atterrir, le communiqué l'a dit, je crois, après, un avion ici sur la piste sans l'accord du machin. Le lendemain déjà, le lendemain déjà. Oui, cette notion d'État terroriste existe. Voilà des chiffres. Quand les militaires ont donné des raisons de leur coup d'État, il y a également
une des raisons qui consiste à libérer des terroristes. Mm-hmm. Donc parmi les terroristes qu'on a libérés, mm-hmm. voilà les chiffres qu'ils ont avancés. Mm-hmm. Ils ont dit qu'il y a 397 terroristes parmi les que les autorités civiles ont demandé d'enrôler et les militaires ont refusé. Après avoir insisté, ils se sont, les autorités civiles, les Bazoum se sont imposés et on a enrôlé 150. Parmi les 150, il y a 20 qui ont déserté. Et parmi les 20 qui ont déserté, c'est là où on dit que Tchani a amené une vidéo où parmi ces 20-là, on prit les militaires nigériens et les exécutait de façon sommaire. Donc, c'est pour vous dire que les terroristes qui vont déstabiliser, là, ce ne sont pas des terroristes qui sont dans le maquillage. Non, mais ces chiffres-là, ils viennent d'où? Ils viennent du CNSP? Oui. Mais ce n'est pas officiel. Comment ça, ce n'est pas officiel? Non, c'est officiel, savez, c'est officiel. Les chiffres là sont officiels. Comment tu vas dire que ce n'est pas officiel? 397, mm-hmm. ils ont dit 397. Mm-hmm. Les autorités civiles ont demandé. C'est des gens qui ont été déjà formés par la guerre nationale. D'enrôler dans l'armée. Ils ont fait des jours et des jours en train de s'opposer, ils ont refusé. Ouais, maintenant, ouais. malgré eux, on leur a imposé. Oui, mais officiellement, ce n'est pas des terroristes. Officiellement, c'est des jeunes gens qui ont été enrôlés dans des régions où sévit l'insécurité, notamment Diffa, Tawa et Tillamine. Non, ça c'est totalement différent. Non. Ah, ce n'est pas, c'est pas la même chose. Ici, c'est des terroristes qui ont dit qu'ils ont laissé. C'est des repentis. Ils ont déposé les repentis qui ont mm-hmm. déposé. Mm-hmm. Mais les militaires ont dit non. Même si c'est ça, il faut les former. Ce n'est pas des gens qui viennent directement du maquis qu'il faut prendre et puis intégrer dans l'armée. Ils ont insisté, ils ont fait. Mais parmi les 150 mm-hmm. qui nous ont intégrés là, les 20 ont fui automatiquement et ils ont pris les militaires et les ont exécutés. Donc c'est pour vous dire que la déstabilisation y est déjà parce qu'ils ont, des personnes, mm-hmm. des répentis du terrorisme qui ont été enrôlés dans l'armée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelques-uns au moins qui sont dans l'armée. Mmh. Surtout à la guerre nationale. Oui. Parce que c'était leur quartier général là-bas. Oui, alors, je voulais juste compléter par rapport à la question que tu as posée. Pourquoi les Français tiennent forcément à ce que ce régime-là mmh. soit rétabli? Oui. Parce que tout simplement, ce que ce régime leur a concédé. Souvenez-vous, quand Tanja est arrivé, à la faveur de la nouvelle loi minée en 2006, mm-hmm. quand j'ai imposé à la France par rapport à l'exploitation de l'uranium un certain nombre de choses, n'est-ce pas mm-hmm. notamment par rapport au bien que le Niger devait avoir. Mm-hmm. Quand j'avais imposé aussi l'exploitation, la mise en exploitation de la mine du Mouraï, mm-hmm. n'est-ce pas. En 2012, ça devait intervenir. Quand le coup d'État est intervenu directement, tout ce qui a été, comme avait dit, négocié par Tanja, a été gelé, n'est-ce pas mm-hmm. Pendant la transition de Salut Jibo, ils ont pu avoir encore quelques avancées, je vais dire arriva. Mais quand ceux-là sont arrivés, ils ont tout compromis. On a assisté aux minutes de discussion, à Paris. Pendant qu'il y avait le ministre de mines, c'était le directeur, le fugitif là. C'était lui qui allait négocier. Ladin Tchana a été ministre des mines à l'époque, mais il n'a pas été associé aux négociations. Et ça a même fait un clash entre eux, à l'époque, si vous vous rappelez. Absolument. Parce qu'ils sont partis négocier de quelque chose pendant que le ministre est là. C'était Massoudou qui était, était directeur de cabinet à l'époque. Ensuite, tout a été compromis à partir de 2013, quand il y a eu le renouvellement des contrats. Mm-hmm. Pratiquement, l'arrivée s'est arrangée quelque chose de 17 milliards à donner au Niger pour repousser et pour remettre en cause des acquis. Parce que quand il y a eu les négociations, je crois en 2006, quand Tanja a mis la nouvelle loi, je me rappelle pour l'enlèvement de l'uranium, c'était arrivé à 55 000 de kilos. Quand ceux-là sont arrivés, ils ont permis. Quand on dit enlever, c'est que c'est nous qui payons. Chaque kilo qu'ils enlèvent, c'est-à-dire c'est 55 000 que le Niger doit verser, en tout cas au machin, pour l'enlèvement, parce que c'est eux qui ont le matériel et tout et tout. Ils ont ramené ça à 70 000. Aujourd'hui, c'est à 73 000. Le coût de l'uranium, aujourd'hui, sur le marché, c'est autour de 80 000. Quand on fait un peu le marché, le Niger ne gagne rien en termes. Et on a vu par la suite les autres affaires. L'uranium guette, mm-hmm. n'est-ce pas? Où on a diverti, c'est une affaire que tout le monde connaît. Et tout récemment encore, quand il y a eu la renégociation, Karma arriva et revenu, Orano plutôt, est revenu Karma sur l'exploitation
en prenant un nouveau contrat de recherche sur la mine du Mouraren, qui a déjà fait l'objet de recherches avérées. On sait les tournages et tout, ils ont consenti. Donc pour vous, voilà en la raison. En tout temps, ils ont endetté le permis à la Bourse des Valeurs, ils ont plus de l'argent. Donc pas pour vous, on oublie la démocratie, on oublie le développement, Mais qui pouvait leur permettre ça? Quand en plus, on voit dans le discours de ceux-là qu'on a dégagé du pouvoir, le discours consiste à dire aux Nigériens, il ne faut plus continuer sur l'uranium, parce que l'uranium ne représente plus rien. Alors, c'est eux qui deviennent les avocats, les défenseurs. Alors, si l'uranium ne vaut plus rien, qu'on laisse notre uranium jusqu'au jour où ça va devenir quelque chose. Aujourd'hui, toute l'agitation de la France, c'est autour de ce minerai-là, parce que c'est un minerai très stratégique. Il y a beaucoup de pays qui sont intéressés. Tout à fait. Alors, la preuve par rapport à la gestion de l'exploitation de la mine du Mouraren, ils ont mis une clause où personne ne peut venir prétendre. Ils sont dans une nouvelle phase de recherche lors des dernières négociations. Mmh. Ça dit que c'est des recherches, ce n'est plus l'exploitation, c'est des recherches, c'est des nouvelles recherches. Mmh. Alors, ça veut dire quoi? Ils peuvent avoir ça avec qui? C'est bien avec ce régime-là. Mmh. Ils ont accepté de compromettre, mais en cachette, ils prenaient de l'argent pour une ressource qui appartient à tous les Nigériens. C'est un peu comme le pétrole. Aujourd'hui, si on investit sur ce qui s'est passé sur ces 12 ans, l'exploitation on va trouver des énormités. Merci. Des énormités, ils ont empêché que ça soit. Alors, moi je vais dire, la France n'est pas intéressée par un peu la démocratie dans nos pays. C'est ses intérêts. Il ne faut pas se faire d'illusion. En tout cas, les populations sont mobilisées. Au cours de toute cette semaine, beaucoup de jeunes Nigériens de tout âge, hommes comme femmes, se sont mobilisés tout le long de la semaine pour organiser des sittings à des endroits stratégiques de la capitale. Et l'un de ces endroits stratégiques, c'est le rond-point Skadri. Pourquoi? Parce que la principale base militaire française se trouve à ce niveau, donc au niveau de la compagnie de l'armée de l'air, donc au niveau de l'escadrille. C'est ce rond-point qui accueille des centaines, voire des milliers de jeunes Nigériens chaque soir pour montrer aux soldats français présents en ces lieux qu'ils ne sont pas la bienvenue, et surtout dire tout leur ressentiment par rapport à leur présence. Je propose de suivre cet élément de la rédaction de la télévision Mofé. Il wow, il tient à moi de ton anti. La bise à Iga, il ne s'y pas faire. Il s'y pas, il ne s'y pas. Difficile de se frayer un passage au niveau du rond-point escadrille de Niamey ce vendredi après-midi. Dès 15h, les citoyens ont pris d'assaut les lieux pour demander le départ des bases militaires françaises du sol nigérien. Si aujourd'hui cette France, depuis 63 ans, n'a pas pu satisfaire les intérêts de l'État nigérien, aujourd'hui cette jeunesse que vous voyez est là pour demander à cette France de libérer, de quitter notre territoire. Sans la France même, je vous le confirme, le Niger va prospérer. Le Niger, les jeunes aujourd'hui ont compris que c'est cette UDES et affreuse France qui nous barre la route du développement. C'est ce que ces jeunes ont compris. Et nous sommes là aujourd'hui pour soutenir plus que jamais le président Tchani. Il n'y a aucun texte de la CEDEAO et de l'UMOA qui disent qu'il faut fermer les frontières sur un État. Alors que c'est un principe du droit international, de la non-ingérence des États dans les affaires internes des autres pays. Et c'est aussi un principe du droit international, des droits des peuples à se disposer d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, le Niger doit se disposer de lui-même. Nous prenons notre destin en main. Les membres de la CEDEAO, Alassane Ouattara n'a pas sa place à la CEDEAO parce qu'il a brigué un troisième mandat. Donc ce n'est pas à la CEDEAO de décider aux Nigériens ce qu'ils veulent ou bien de leur choisir un dirigeant qu'il faut. À l'encontre de la France, on est en train de les expliquer que le Niger n'est pas une sous-préfecture de la France. On est contre le pillage de nos ressources. On est contre le fait que la France est en train de massacrer nos populations, nos 20 soldats qui sont sur le champ. La France est en train de les assassiner. Les Nigériens d'aujourd'hui ne sont pas comme les Nigériens d'avant. Si avant il a trouvé des Nigériens qui sont lâches, aujourd'hui il est en face de lui une population qui est unie et qui est prête à se sacrifier jusqu'au sacrifice.
cette forte mobilisation des citoyens vise à dire non aux sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et dire oui pour un soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour un Niger libre, indépendant et souverain. Alors, au-delà de ces populations nigériennes, voyons quelques réactions qu'on va survoler avant de terminer avec cette première partie très rapidement. Et nous sommes en retard sur le temps. La première réaction, ou l'une des actions en tout cas, c'est celle du président Faure Gnassingbé. Il est membre, il est président du Togo, et donc un pays fondateur, membre fondateur de la CEDEAO. Donc, c'est son père qui était aux commandes quand la CEDEAO a été créée en 1975. Donc, Faure Gnassingbé, qui, selon cette image qu'on attend s'afficher à l'antenne, c'est pas encore le cas. Alors, le président togolais Faure Gnassingbé s'oppose à toute intervention militaire au Niger et interdit le survol de son territoire pour tout avion en lien avec cette intervention. Mais vous savez qu'il a été très clair. Hein? Et ce monsieur, quel que soit ce qu'on dira de lui, c'est quand même pas un vat en guerre. Regardez comment il a décanté la situation entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et donc, je pense que sur le plan diplomatique, en plus, c'est que parmi tous ces présidents-là, je pense que celui qui a le plus de liens, peut-être même de sang avec les Nigériens, c'est Faure. Réellement, puisqu'il y a des mois, il est resté longtemps ici à Tondibi en tant qu'instructeur. Et il a tissé donc de très 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 bonnes relations avec les militaires d'avant, les Kontiers. Vous savez que lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, il a été contesté. Ce sont les Tandjala qui l'ont aidé à asseoir son pouvoir et son autorité. Donc je pense que c'est, moi de mon point de vue, si nous avons un frère parmi les chefs d'État, c'est Faure, c'est pas Talon. La relation qu'il y a entre, moi j'ai fait plusieurs fois le Togo, la relation qu'il y a entre les Togolais et nous, je crois que ça dépasse la fraternité, la camaraderie. C'est une relation. Et, le président Faure serait allé plus loin. Soit dit en passant, il semble que c'est l'interdiction qu'il a proposée pour le support de son territoire, tout à relève dans le cadre de cette intervention, qui a fait capoter, une des raisons en tout cas, qui a fait capoter. La réunion des chefs d'état-major, des chefs d'état-major. Même les Ghanéens, apparemment, ils ont le survol de leur territoire, pas des Absolument. En relation avec. Vous avez vu Faure, hein, il était très gêné hein, pendant la. Si vous avez vu l'image, il n'était pas dans son élément, comme on dit. Moi, je pense que si on a des parents proches, ce sont surtout les Togolais. Il aurait même entamé, semble-t-il, des négociations discrètes. On lui a même reproché d'être venu ici discrètement et de n'avoir pas de problème. En tout cas, c'est ce que les autres chefs d'État lui reprochent, en fait, de faire cavalier. Sa venue ici et sa discrète contribution à décanter la situation par le dialogue. Et en plus, c'est que Faure ne ferme pas son port sur le Burkina Faso. Donc, si Faure ne ferme pas son port sur le Burkina Faso, c'est que les Burkinais seront nécessairement par là. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'il ne va jamais abdiquer. Parce que lui, ici au Niger, il a même des parents ici. Hein. Sa tante directe ici qui est mariée à un Nigérien. Donc, on a des relations. Franchement, je pense que lui, il est dans son élément et nous ne pouvons que le féliciter pour avoir suivi les traces de son père, qui est resté nigérien, bien qu'il soit président togolais. Quand il venait ici, il retournait à Tondibia. Il y a des Nigériens même qu'il a envoyé à la Mecque parce qu'il les a connus quand il était sergent. Sincèrement, je pense que lui, Faure, il est dans son rôle. Oui, maître, vous en pensez quoi? Et je pense qu'en dehors de ces liens d'affinité-là, il n'y a pas que les pays avec lesquels nous avons une affinité directe aujourd'hui qui soutiennent le Niger. Partout dans le monde entier, vous allez voir des gens épris de paix, d'indépendance et de souveraineté soutiennent le Niger. Et je vous dis que cette occasion a fait que, même en France, en plein Paris, les citoyens français vont dorénavant faire la différence entre Niger et Nigeria, clairement. J'étais en 2013, j'étais à Paris quand Issoufou a amené
les agents de Areva là qui ont été kidnappés et qu'il avait marchandé pour ramener. Mais on était avec des amis. Mais ils sont partagés entre. Il faut dire Niger de Areva pour qu'on sache qu'on parle de nous, Nigériens. N'est-ce pas? Et puis quand tu veux dire Nigeria, tu vas dire Nigeria, Niger de Okocha. Tu vas prendre le nom d'un footballeur connu. Tu vas coller au nom de notre pays. Donc, vous voyez que même ici en Afrique, il y a beaucoup, quand ils prononcent Niger, Nigeria, ils font la confusion. C'est-à-dire, au regard des noms même, on ne peut pas nous différencier. Voilà. Donc, maintenant, si, comment on l'appelle, Yadema Fort a adopté ce comportement-là, c'est tout à fait normal parce que c'est raisonnable. Ce qu'on est en train de faire au Niger, c'est injuste. Il faut rappeler et préciser également, et c'est valable pour tous les autres chefs d'État, l'observation du président du Libéria, qui a dit catégoriquement si la CEDEAO, les membres, mais il dit si la CEDEAO doit condamner les coups d'État militaires, elle doit condamner également les coups d'État constitutionnels. Il faut régler la question de la bonne gouvernance. Les citoyens d'un pays ne peuvent pas continuer aussi longtemps à constater la ségrégation politique. Notre pays est arrivé à un moment où, tant que tu ne fais pas de la politique, tu ne peux rien avoir. Même l'école, là, tu ne vas pas accéder. Mais ça, c'est dangereux. Les Nigériens ont applaudi les militaires aujourd'hui, mais c'est pas... Il y a une raison. C'est pas pour rien. Votre réaction, c'est celle de l'Algérie. Le président de ce pays, M. Tchibboune, a dit clairement que toute agression, et là aussi, il y a des images, si on peut s'afficher. Donc, l'Algérie qui a réagi à travers son premier magistrat, donc le président de la République d'Algérie, qui dit que toute agression, toute intervention militaire au Niger sera considérée comme une menace directe contre son pays. Donc menacer directement son pays, et donc il est hors de question qu'il y ait une intervention, qu'il accepte une intervention militaire au Niger, et toute intervention ne se fera pas sans l'Algérie. Oui, c'est-à-dire qu'il faut le reconnaître. Hein. La CEDEAO a même envoyé un émissaire pour demander à l'Algérie de fermer ses frontières. Le président Tibon a dit non, il est hors de question. Je ne ferme pas, je ne suis pas membre de la CEDEAO. Je ne peux pas faire du tort aux Nigériens, donc je ne ferme rien du tout, et ni mon espace. Par contre, l'Algérie a fermé son espace aérien pour les forces françaises. Tout à fait. Deux avions ont tenté de traverser l'espace aérien. La chasse française a fait des kilomètres. Donc, nous avons un avantage sur ces gens qui cherchent la guerre, c'est que beaucoup de pays limitrophes et lointains ne veulent pas d'agression contre nous. Soit parce que ça les touche directement, statut de leurs intérêts, soit simplement parce que, se fondant sur le droit, ils se disent que c'est une agression qui risquerait de violer la loi ou le droit international. Donc sur cette base-là, je pense que on peut être serein. En plus, hein, moi, quand je connaissais un peu l'économie du Niger, c'est surtout Niamey peut-être qui va un peu en partir. Mais les pays des zones comme Tawa, Gadez, ne vont jamais ressentir. De façon. Oui, parce que dans tous les cas, une fois que l'axe Algérie, Agadez ou Alger, Tawa est sûr. Mais je pense qu'il n'y aura même pas de rupture d'approvisionnement et l'État continuera à percevoir des recettes. Je pense que c'est Niamey, compte tenu de son caractère un peu enclavé. Et là aussi, il va falloir rapidement qu'on assure donc la sécurité sur l'axe Niamey-Ouaga-Accra ou Niamey-Ouaga-Lomé pour que, éventuellement, de ce côté-ci, nos marchandises ne puissent pas être attaquées ou brûlées par les terroristes. Oui, au Sénégal. Bon, mais vous savez, c'est tout à fait normal que le président algérien réagisse de la sorte. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qu'on est en train de vivre en termes d'insécurité au Sahel, c'est à cause de la bêtise ou de l'imbécilité des Français qui sont allés avec la complicité de l'OTAN bombarder la Libye, déstabiliser la Libye. C'est ça d'abord la cause. Tout ce qu'on est en train de vivre en termes d'insécurité dans la sous-région, c'est à cause de ça. Et on a détruit la Libye, qui est quand même en Afrique, ou du moins dans le Sahara, en Afrique subsaharienne, c'est quand même un des pays les plus imposants. Parce qu'il ne voulait pas les projets de Kadhafi, il ne voulait pas que les projets de Kadhafi voient le jour. Voilà un peu ce qu'il y a. Et c'est tout à fait normal, parce que l'Algérie est aussi impactée par ce qui s'est passé, en Libye, n'est-ce pas? Ils ont des frontières, ils sont frontaliers. Et l'Algérie est frontalière avec nous. Alors, comment ils peuvent accepter que
un pays comme la France vienne comme ça, à cause d'un changement de régime anticonstitutionnel, bombarder, créer, installer la chaîne Li et regarder. Non, ça ne peut pas. Et même nos chefs d'État. En fait, ça montre un peu comment la mentalité de certains. Jusqu'à présent, après la colonisation, après l'esclavage, la colonisation, voilà. Mais même dans l'indépendance encore, les gens restent soumis à quelqu'un qui vous a fait subir pendant des siècles, en pensant que quand vous allez rompre, c'est la fin du monde. Il y a combien de pays qui sont développés qui sont plus attachés, qui sont ils commercent d'égal à égal avec ces pays occidentaux-là. Alors, c'est comme si... Il y a de très bels exemples hein, en Afrique australe, en Afrique du Sud. Mais la Gambie n'est pas dans le CFA. Des pays comme la Tanzanie, des pays... Mais alors, comment les gens peuvent penser que... Il faut forcément... Comme le Botswana. La France vous fait comprendre, ou l'Union européenne fait comprendre que forcément, il faut rester avec nous si vous voulez vous développer. Quel développement ils peuvent amener? Moi, je n'en vois pas. Les aides, ça sert à quoi? Merci Ousseini, on continue. Autre élément que je propose de voir, c'est cet internaute-là, donc Facebook, qui fait cette constatation de Macron par rapport à l'attitude de Macron, le président français. Il dit, en Côte d'Ivoire, il a décidé de soumettre un ordre inconditionnel aux impératifs de la paix. Et au Niger, il décide de soumettre un ordre inconditionnel aux affres de la guerre. Parce que en 2020-2024, quand Ouattara devrait, donc c'est ça qu'on voit, quand Ouattara devrait se proposer pour un troisième mandat, il dit, Macron a envoyé un message, je lui ai dit, pour maintenir la paix en République de Côte d'Ivoire, RCI, je salue cette décision historique du président Alassane Ouattara de se présenter aux élections du 31 octobre 2020. Ouais. Il dit, pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire, je salue cette décision historique. Pour lui, c'est une décision historique que de se présenter pour un troisième mandat dans un pays où la Constitution ne l'autorisait pas. Donc, vraiment, une appréciation à géométrie variable. Oui, à géométrie variable. Et malheureusement, l'histoire se répète au moins deux fois, par farce ou par tragédie. Je suis désolé de constater que depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire a eu des chefs d'État qui ont été toujours complices du colon. Rappelez-vous très bien, à l'époque de Fouette-Boigny, comment ils ont aidé la France à vouloir déstabiliser la Guinée lorsqu'elle a pris la décision de faire sa propre monnaie. C'est à partir de Côte d'Ivoire qu'on est parti jeter des billets pour déstabiliser la Guinée. On a vu comment un héros africain qui a voulu imprimer une dynamique d'autosuffisance et de la souveraineté de nos États, Sankara, il a été tué par un complot venant de la Côte d'Ivoire. Mais le Nigeria qui aujourd'hui est du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, le Nigeria, autant du Biafra, quand le Niger est parti sauver le Nigeria de la partition. En ce moment, la Côte d'Ivoire était derrière le colon. Il y en a tous les exemples, il y en a beaucoup d'exemples où malheureusement c'est la Côte d'Ivoire. Et également, à ce jour, il y a encore un autre valet de la France qui est là, Alassane Dramane Ouattara, qui lui-même a été imposé par la France en délogeant Gbagbo. Et c'est pour cela qu'il pense que la France peut venir et déloger Tchani du palais pour installer Bazoum. Mais dans tout ça... En mai 2011, Ouattara a dit « Je ne dois rien à personne, sauf à la France ». C'est ce qu'il a dit. Oui. Il a raison de le dire. S'il ne le dit pas, donc il n'a pas été reconnaissant. Donc, sur l'Algérie, il faut dire que au lendemain même des indépendances, l'Algérie était le pays qui a aidé toute l'Afrique. Il n'y a pas un pays africain qui n'a pas reçu l'aide de l'Algérie en matière de la décolonisation. Que ce soit aide matérielle militaire, aide alimentaire, aide financière, ils ont fait jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Palestine, en formation également, ils forment. Donc, l'Algérie également est un pays qui ne fait pas trop de bruit. Moi, j'ai compris dès le coup d'État au Mali et à Ouaga que l'Algérie est derrière cette dynamique de la redécolonisation de l'Afrique. Mais seulement, ils ne font pas trop du bruit. Et enfin, il faut reconnaître que les Africains ont dorénavant tiré les conclusions de ce qui s'est passé en Libye.
Donc, si les Africains lâchent leur État, nous allons assister à des déstabilisations. Maintenant, les Africains ont interné que ce qui est arrivé à la Libye peut arriver au Niger. Et s'il arrive au Niger, il va essayer de contaminer. Et les Africains ont compris que la France ne se trouve nulle part en Afrique si ce n'est pas au Niger. Si on arrive à bouter la France du Niger, donc la France est sortie complètement de l'Afrique. Mais il n'y a pas que les bases militaires françaises. Bon sang, il y a les Allemands qui sont là. Il y a les Italiens qui sont là. Il y a les Américains qui sont là. Mais dans le même temps, on ne parle pas de ces bases militaires-là. Pourquoi la France seulement? Parce que la France est en train de faire ce qu'elle fait et que les Nigériens ont compris. Sinon, pourquoi on n'a pas le même comportement face aux Américains, face aux Italiens ou bien face aux Allemands? Nous avons ce comportement-là face à la France parce que la France, les Nigériens ont compris que dans les 5084 tonnes qu'elle exploite et dans les 5504 milliards qu'elle engrange, le Niger ne gagne que 86 milliards. Ça aussi, avant de venir dans les caisses de l'État, ça rentre d'abord dans les différentes poches des uns et des autres. Donc, moi, je pense que les rideaux sont tombés. On avance rapidement. On avance rapidement. Merci, maître. Oui, les rideaux sont tombés, oui, on a constaté, et c'est pourquoi. Autre réaction, on va avancer, maître, pour ne pas perdre davantage de temps. Autre réaction, celle d'un général, maintenant, d'un général français, de l'Union européenne, qui parle sur le cas Niger par rapport à la CEDEAO. Il dit, c'est le général Clément Bollé. Il dit, si le contingent de la CEDEAO n'a pas le soutien occidental, l'intervention militaire n'ira pas loin. Oui, parce que c'est stratégique, c'est de quoi il est question. Quand vous voulez envoyer un pays que vous n'avez pas le soutien de la population, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes pris dans un engrenage de guérilla. Ce n'est plus une guerre classique. Gianni ne va pas aller exposer ses hommes comme ça en ligne pour se faire massacrer. Les gens vont mener une guérilla contre les forces d'invasion. Et je pense que c'est là que les forces d'invasion vont perdre le maximum d'hommes. Il n'est pas souhaitable que la guerre ait lieu. Mais la France veut que la guerre ait lieu. Si la guerre a lieu, les Français, eux, ils vont perdre plus d'hommes, dans tous les cas. Mais c'est entre Africains qu'on va s'entretuer. Et je ne pense pas que ce soit souhaitable. J'espère que Talon, Macky Sall, depuis qu'il a massacré les derniers Sénégalais, là, il est tout le temps à la Mecque en train de prier. Ça fait son troisième séjour à la Mecque, là, depuis le massacre. Je pense que maintenant, il sent qu'il lui reste 6 mois ou 8 mois. 6 mois, donc, il quitte en février 2024. Oui, donc il est pris par un acte de quitte en février 2024. Oui, il passe tout son temps à la Mecque en train de prier pour que Dieu... Et voilà même un problème politico-juridique s'il quitte en février 2024. Et il engage son pays dans une guerre. Est-ce qu'il a la légitimité suffisante? Il n'a aucune légitimité pour engager son pays dans une guerre de cette nature. Oui, c'est délicat en ce qui concerne le Sénégal. Parce que bon, bien qu'on n'a pas entendu, lui n'est pas sorti publiquement comme les autres. Non, il y a ce ministre des Affaires étrangères qui est sorti. Oui, qui est sorti pour dire que. Oui, notre consoeur, là, l'avocate, là, oui. Aïssata Diallo. Non, pas Aïssata Diallo. Non, Diallo n'agit pas. Aïssata Diop. Non, moi je ne pense pas que. Aïssata Sall. Non, moi je ne pense pas que le Sénégal puisse venir physiquement avec des militaires pour agresser le Niger. Lui-même, il est en train de faire. Dans tous les cas, il faut qu'il ait la tête hors de l'eau d'abord. Lui-même, ses problèmes lui suffisent. Donc, on finit. À partir du Sénégal, hein, je pense il a des sérieux problèmes. Avant qu'on finisse, regardez. Le Bénin est confronté au terrorisme. La France ne t'aide pas pour vaincre le terrorisme. Mais elle veut t'aider pour aller envahir le Niger. Le Togo est confronté au terrorisme. La France ne vous aide pas. Mais elle veut vous aider pour aller combattre. Le Niger est confronté au terrorisme. Le Niger est même atteint par des émeutes de lapin. Je n'ai pas entendu la France envoyer du blé pour aider Tinubu. Mais la France veut envoyer des soldats pour aider Tinubu. Quand même, moi je pense qu'il faut réfléchir.
ces chefs d'État-là, il faut qu'ils aient un moment qu'ils fassent leur examen de conscience. Ils sont devenus des instruments entre les mains d'une puissance extérieure. Et cette puissance, c'est la France. Et on finit rapidement. Et entre une puissance, et ce n'est même pas la plus grande puissance qu'il soit. C'est celle de la France, comme vous dites. Alors, on finit avec cette réaction. Il compare toujours ces sept réactions à géométrie variable. C'est par rapport au président déchu qui est encore entre les mains des autorités militaires. Il dit donc en 2010, M. Mamadou Tandja avait fait 10 mois, ou un an ou 10 mois, dans les mains de Salou Djibo. La CEDEAO était où? Il dit au Burkina Faso, Roch avait été séquestré pendant 6 mois par Damiba. La CEDEAO était où? Voilà, des très bonnes questions. Cas pratique. Voilà, monsieur Hassan Oblaï, qui finit avec cette phrase, il ne se préoccupe pas de l'être humain, Bazoum Ahmed, mais de l'uranium et des richesses du Niger. Tout à fait. Parce que là, je l'ai dit même sur ce plateau, que s'il veut, il décide de soi. Quel serait, bon sang, une démocratie rétablie par la force? Et quel serait l'état de nos relations, même s'ils arrivent à rétablir le Bazoum? Et c'est pour cela que je les ai suggérés et j'ai dit que j'ai fait même de la consultation gratuite. Le problème est posé ici. Ils n'ont qu'à attaquer le coup d'État devant la Cour de la justice de la CEDEAO. C'est ce que Tandja a fait pour sortir de la prison. C'est une décision de justice qui a fait sortir Tandja de la prison. Donc, de la même manière que les hold-up électoraux peuvent être attaqués devant la Cour de justice de la CEDEAO, c'est de la même manière que ce coup d'État-là, s'ils veulent le défendre démocratiquement, donc de l'attaquer devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Non seulement pour la libération de Bazoum qu'il estime être séquestré, mais aussi sur la question du droit de son rétablissement sur le fauteuil. C'est une question de droit qu'on peut poser devant le juge. Ça sera au moins plus démocratique. Oui, ça sera plus démocratique et une démarche vraiment et raisonnable. Et de droit. De droit. Pas celle de venir au temps où ils ont volé le pouvoir, ils ont arraché les hommes, ils ont utilisé des armes de guerre pour prendre des unes. Ça, c'est au vivant aussi. Et les humains sont là. Mais le candidat, Mahmoud Ousmane, il est parti devant la juridiction. Il avait le soutien. Le soutien de protester, d'aller même envahir la CENI. Il n'a pas fait ça. Et c'est ce que les gens ont réclamé. C'est ce que il a dit qu'il ne veut pas que du sang soit versé. Oui, il a dit que lui, il va faire une démarche civilisée, une démarche démocratique pour aller devant les juridictions. Et c'est ce que nous souhaitons, eux, qu'ils fassent. Mais qu'ils aillent attaquer le coup d'État devant les juridictions. S'ils se disent démocrates. Maître. Mais pas demander de venir attaquer le pays. Maître, c'est pas en dehors de tout cadre juridique. Oui, en dehors de tout cadre juridique. Et dans l'ignorance des autres organes, des autres institutions de la CEDEAO. Par exemple, le Parlement de la CEDEAO, il existe bel et bien. Il n'est pas le Parlement de la CEDEAO. Mais il semble que ce Parlement a tenu une réunion par visioconférence. Voilà, ils ont sorti à la majorité absolue, à l'unanimité. Le Parlement de la CEDEAO s'est opposé à l'option de la guerre. Absolument. Mais quand vous parlez de démocratie, ils ne cherchent pas. Ce n'est pas la démocratie qui les intéresse. C'est juste un mot qui balance comme ça. Ce qui les intéresse là, ils s'en foutent. C'est le système qu'ils ont pu mettre en place au Niger. C'est la conservation de ce système avec la France qui est derrière, pour pouvoir continuer à piller nos ressources en tout cas, et éventuellement même parvenir. Mais moi j'ai dit, continuer à prendre l'uranium comme ils veulent, décider de quand est-ce qu'ils vont gérer, extraire tel. Voilà un peu. Il ne faut pas se perdre. Il faut merci. Pas perdre oui. de vue. Merci. Donc, merci. C'est ce que les Nigériens vont prendre mais je à vais partir dire. De cet instant. Je vais dire. Les Français pas, sont capables pas. De faire au Niger ce qu'ils ont fait à Rwanda et au Burundi. Voilà. Ils sont capables de faire au Niger ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire ici. Ça, il faut qu'on le mette dans la tête. Ils sont capables de nous tuer pour leur propre. Mais justement, je suis en train de dire. Ce n'est pas la population qui les intéresse, oui, les c'est les ressources en réalité. Voilà. Donc, pour finir, docteur, avec tout ce qu'on a comme élément d'appréciation et comme information, et comme l'évolution de la situation, à quoi peut-on s'attendre selon vous dans les prochains jours? Non, moi je me dis qu'une intervention de la CEDEAO en tant que telle est quasiment impossible. Mais une intervention propulsée, guidée, financée,
poussé, tiré par la France est tout à fait possible. Il faut rester vigilant. Maintenant, et moi, je me dis qu'on va entamer des négociations. Mais pour entamer des négociations, il va falloir d'abord lever le blocus. Je pense que si nous avons un ministre... Mais pour, excusez-moi de vous interrompre, mais pour entamer les négociations, il faut déjà avoir quelqu'un en face avec qui négocier. Il n'y a pas de, il y a pas de négociateur, il n'y a pas de médiateur désigné par la CEDEAO. Non, c'est-à-dire que si, lui, oui. Tinubu, il dit que le socle, ça va être la négociation. Oui, mais maintenant, nous, on va directement négocier. Non, on négocie directement avec lui la levée du blocus. S'il refuse, on va devant les tribunaux. Ça, c'est le préalable d'abord. Il faut lever d'abord. Avant de parler de médiation, il faut d'abord régler le préalable. Voilà. Je crois entendre le Premier ministre parler de cette mesure, de la levée des sanctions d'abord. Il faut d'abord qu'il y ait levée du blocus. En cas de levée du blocus, tout devient négociable. Mais je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Bazoum ne reviendra pas au pouvoir, c'est fini ça. Je pense qu'il faut clore son chapitre. Maintenant, peut-être discuter des modalités de la transition ou de la durée. Des organes à mettre pour la transition, parce que aujourd'hui le président Tchani est un président de fait, parce qu'il est venu par acclamation. Vous avez dit, et là on finit avec ça. Désolé, on ne va pas pouvoir, peut-être la semaine prochaine, pour les priorités du gouvernement, parce que le gouvernement vient juste d'être mis en place. On verra. Alors, on finit avec cette question qui est la suite de celle que je viens de vous poser. Vous allez vous tous réagir là-dessus. Si vous dites la CEDEAO, une intervention militaire de la CEDEAO est pratiquement. Impossible. Parce qu'à cause des éléments qu'on connaît. Mais oui, justement, malgré tout ce qu'on connaît et de l'évolution de cette situation, vous pensez que la France, malgré tout, va essayer d'attaquer. Ah non, la France est un animal, un lion blessé. La France ne lâchera prise que quand elle verra le feu. Et oui, c'est elle qui est derrière les Irissa Agboula, il ne faut pas se percer d'illusions. C'est elle qui est en train de vouloir armer les terroristes. Peut-être qu'elle ne va pas le faire. Peut-être qu'elle ne va pas attaquer directement ou elle va changer de stratégie. Non, c'est-à-dire qu'elle va utiliser. Sur le long terme. Non, la France ne va pas lâcher et elle va continuer à nous déstabiliser par des actes isolés. Non, pas des intermédiaires. Oui, c'est ce que j'ai dit. Des actes. J'appelle actes isolés par une guerre conventionnelle. Elle veut passer par la CEDEAO, c'est ça que j'appelle la guerre conventionnelle. Si la CEDEAO ne marche pas, elle va provoquer... Oui, ça ne va même pas marcher comme tu l'as dit, mais elle va déstabiliser le pays avec ses amis terroristes. Ça veut dire qu'elle va s'inscrire sur un agenda... Elle peut avoir des mercenaires... Sur un agenda à moyen ou à long terme, parce que peut-être cette stratégie-là ne va pas se faire dans les jours ou semaines à venir, peut-être sur le moyen terme au moins. Mais elle a déjà contribué à nous déstabiliser pendant les différentes rébellions. Là. On a même ramassé des cartes de soldats français sur le terrain. C'est-à-dire, même si elle quitte, elle va continuer à demeurer dangereuse. Bon, elle est beaucoup plus dangereuse puisqu'elle est dans nos murs, mais ne l'oubliez pas, les autorités lui ont dit que les délais courent. Oui. Elle va sûrement s'en aller. Il y a des mois pour les délais plus courts. Il y en a qui sont avec des délais de préavis de 3 mois. Oui. Mais elle va continuer à vouloir nous déstabiliser. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Où c'est là, il faut rester vigilant. Jusqu'au bout. Moi, je pense que, dans tous les cas, moi, je pense que ce que la CEDEAO est en train de dire, ou du moins les prénoms isolés là, de la CEDEAO, parce que ce n'est pas toute la CEDEAO aussi. Quand on voit, ils disent leur fantasme, quoi. Lui, moi, je dis, j'exclus. Que la CEDEAO puisse intervenir militairement. Mais attends, le Niger, ce n'est pas quand même un champ vierge où tu peux venir. Tu vas traverser la frontière tranquillement, arriver à la présidence. Souvent, tu vas larguer des militaires, des commandos qui vont venir prendre d'assaut. On est aguerri dans ces choses-là. Il ne faut pas qu'ils perdent de vue, ils connaissent eux-mêmes. Maintenant, c'est ce que je suis d'accord avec Bounty, c'est qu'ils vont continuer. La France ne va pas vouloir lutter comme ça. Les enjeux sont énormes pour la France. Ils vont continuer à vouloir déstabiliser de manière, par d'autres formes. Notamment l'usage et le recours à ses amis terroristes qui sont là, plus les fuyards là qui sont allés se cacher, comme avait dit. Ils vont essayer de tenter des mécanismes de déstabilisation, y compris des mécanismes d'assassinat, possiblement, de ces gens-là, ou amener les citoyens. Mais moi, je dis, cette voie, pouvoir amener les citoyens à se révéler. Oui, alors je disais qu'on finit, avec, vous parlez des fuyards, vous parlez certainement des anciens dignitaires du régime, notamment les ministres. Il y a le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Transport, le ministre d'État, le ministre d'État à la présidence, Rissa Boula. Le ministre Akash. Oui, c'est celui. L'ambassadrice, elle a eu pour son compte, je crois que le chef d'affaires a fait intervenir le ministre du Commerce. Oui, Akash. Alors, selon vous, enfin, ils se sont attendus, certainement on l'a entendu dans les médias, à une réaction prompte, immédiate et
militaire même s'il le faut, pour qu'il revienne. Cela ne s'est pas passé jusque là, ça fait le temps court. Est-ce qu'ils gardent toujours leur capacité de nuisance selon vous, ou bien qu'est-ce qui peut être leur attitude? C'est un système qu'il faut démanteler, il faut le démanteler. Puisqu'ils sont quand même à l'extérieur du pays. La capacité de leur nuisance, elle est là, c'est Issoufou. Ils ont de l'argent. Hein, c'est Issoufou. La capacité de leur nuisance, c'est Issoufou. J'aurais voulu que nous abordions le deuxième thème sur les perspectives pour dire au gouvernement ou au CNSP, si eux, ils n'ont pas peur de Issou, les Nigériens ont peur. Tant que Issou demeure là, en train libre. Donc, pour que les Nigériens aient confiance et continuer à les soutenir, il faut qu'ils prennent leur distance, surtout lui, Tchani, qu'ils prennent sa distance parce que c'est lui qui a plus d'affinité avec Issou. Qu'ils prennent ses distances avec Issou. Qu'ils mettent Issou en état de nuire pour que les Nigériens aient confiance que ce monsieur-là, il est mis hors d'état de nuire. Voilà, ce monsieur-là est plus dangereux que la France. Hein. Moi, je n'ai pas peur de la France. Mais par contre, j'ai peur de Issoufou. Depuis hier soir, j'ai eu une information qui a dit qu'il n'a pas son téléphone. Ça, là, j'ai dit que ça ne suffit pas. Si Issou n'a pas son téléphone pour contacter, je sais que la plupart de ses contacts sont dans le téléphone de Malika. Donc, cela veut dire que même si on lui a pris son téléphone là, même si on a pris son téléphone là, le danger n'est pas écarté. Encore que ce n'est pas sa seule femme. Le danger n'est pas écarté. Non, c'est pas du Karambani. Le danger n'est pas écarté et je pense que la probabilité d'une attaque de la CEDEAO écarté, mais il ne faut pas oublier que la France, à travers ses amis terroristes qui sont là, à travers l'extérieur des gens comme Ouattara, on l'a retenu. Moi, je n'ai pas parlé de ça parce qu'il a fait ça au Mali. Rappelez-vous des 49 mercenaires qu'il a envoyés. Oui, donc, sous le couvert d'une société privée de sécurité. Ils vont utiliser tous les moyens possibles pour déstabiliser. S'ils n'ont pas pu passer par la guerre conventionnelle, ils vont passer par tous les moyens. Et c'est pour cela qu'il faut être vigilant. Merci, maître. S'il faut amendre Honora, on va les laisser rentrer. Mais s'ils persistent à vouloir rester dans la sédition, on va dissoudre leur parti. Vous n'avez pas la parole. Les Nigériens qui veulent régler leur compte. Ça c'est clair. Non, c'est pour te dire. Les Nigériens veulent régler leur compte. Mis ça de côté. Maintenant, c'est des actions de nuisance. La France, tous ceux qui sont dehors là, je n'exclus pas qu'ils tentent des choses pour déstabiliser à l'interne. N'est-ce pas? Et ils sont dans cette logique-là. Aujourd'hui, la CEDEAO, les deux présidents là qui continuent à s'agiter, les autres, ils savent que ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Maintenant, il faut être très vigilant. Est-ce que maintenant qu'il n'y a pas eu cette invasion, oui, je peux dire, est-ce que ce n'est pas un premier échec quand même pour... Mais c'est un échec. Moi, j'ai créé même pour la CEDEAO. Non, je veux dire pour ceux qui ouais, appelaient à cette action. Oui, mais alors, ceux qui appelaient, ça montre que ce n'est pas des patriotes. Ça montre que tout simplement, les Nigériens ont découvert que ce n'est pas des patriotes. Parce que quand tu aimes ton pays, tu ne peux jamais demander parce que tu as perdu le pouvoir à ceux qu'on vient bombarder la capitale ou ton pays. Ça veut dire que ce n'est pas des patriotes et les gens ont découvert. Aujourd'hui, les Nigériens savent à quoi s'en tenir vis-à-vis de ces gens-là. Tout le bluff qu'ils ont fait, qu'ils aiment, ils n'aiment pas ce... Alors, il faut faire attention avec ces messieurs-là. Il faut les avoir à l'œil. Quand déjà, dehors, vous dites que vous avez un gouvernement, vous continuez à travailler. Vous travaillez pour qui? Quel acte vous pouvez signer, prendre et signer? Merci. Vous refusez de... Les affaires étrangères dit qu'il a été à Abuja pour représenter Bazoum, mais n'est pas venu rendre compte à Bazoum. Merci. On l'a déjà entendu. Merci, maître. Voilà, il est plus dangereux que Bazoum. Merci, maître Lourana Abdraman. Merci, docteur Amour Bintigallo. Merci, Ousmane Issa. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous pour Presse Plus de cette semaine. Excellente suite de programme sur la télévision. Bon, au revoir.